Et bonjour à tous. Du moins bonjour à ceux qui sont déjà là. Et bienvenue à ceux qui arrivent. Et bonjour à ceux qui vont regarder ça en rediff sur YouTube. Alors je vais déjà saluer le chat. Éventuellement je vais mettre le lien YouTube pour ceux qui voudraient l'enregistrer. Et donc le thème du jour, on continue dans la série sur les étoiles, le destin des étoiles. On a vu les étoiles naines la dernière fois, on va s'attaquer aux étoiles géantes cette fois-ci. Alors, on n'entend rien. Ok. Tu m'entends maintenant, Blandine? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que les gens m'entendent? Oui, ok. Alors, par contre, ce qui est bizarre pour moi, c'est que je m'entends pas au casque. Bon, c'est bizarre, mais c'est pas très gênant. C'est quand même bizarre. Tu m'entends correctement ou pas? Salut Jean-Baptiste. Le son est ok pour vous? Ok, super. Bon, faudrait que je comprenne pourquoi je m'entends pas au casque. Ça serait gênant pour une autre fois, mais pour cette fois-ci, on s'en fiche. Ok, le son est de qualité, pas comme la dernière fois, parce que la dernière fois, c'était le son de la webcam qu'on entendait. Et en fait, c'était assez horrible. Donc normalement, cette fois-ci, j'ai bien enlevé le son de la webcam, et normalement, il doit y avoir le son du micro. Ok, c'est super. Parfait. Bon, bah génial. Donc, je vais continuer la présentation de ce qu'on va faire ce soir, comme ça laisse le temps aux gens d'arriver. Donc voilà, on est toujours sur les étoiles précisément. On a fait les étoiles naines l'autre fois, on a vu les naines jaunes comme le soleil, les naines oranges. On a vu rapidement, c'est vrai j'y ai pensé après, on n'a pas évoqué énormément les naines rouges et surtout les naines blanches. C'était surtout les naines blanches dont j'avais envie de parler la dernière fois parce que voilà, ces étoiles sont rendues dans des conditions tellement extrêmes de compression gravitationnelle que ça a été vraiment une très très grande surprise quand les astrophysiciens et les astronomes ont découvert ça, du moins comment elles se comportaient vraiment et comment elles étaient constituées au début du siècle dernier, au début du 20e. Et c'est un peu la porte d'entrée, salut Space Lorenzo, c'était un peu la porte d'entrée dans l'astrophysique. A retenu un message. D'accord. Ah bah dis donc, mon pauvre ami Space Lorenzo, tu te fais modérer. Incroyable. Tu te fais modérer par le bot qui trouve que Cowgirl, c'est limite limite quand même. On est bien sur un site américain quand même. Hein. Je l'ai permis. Je te l'ai permis. Voilà, donc aujourd'hui on va laisser un peu les étoiles naines, même si on en parlera un petit peu, parce que comme on l'a vu la dernière fois, les étoiles sont très souvent en couple. Mais on va surtout s'intéresser aux étoiles géantes. Donc voilà, aux étoiles en fin de vie, aux étoiles dégénérées. Même si c'était déjà le cas des naines blanches, hein, on peut déjà considérer que c'est de la matière dégénérée, enfin, c'est même de la matière dégénérée. C'est pas de la matière telle qu'on la trouve sur Terre, heureusement d'ailleurs, vu le niveau de densité. Mais voilà, les étoiles géantes sont des étoiles qui, en général, sont en fin de vie, ou en tout cas, ont une vie très 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 brève. Alors, je vois qu'il y a 5 personnes, on va peut-être pouvoir lancer le truc. Je voulais dire quelque chose d'autre. Ah oui, si quand même, que je vous prévienne. Le 6 avril et le 13 avril, j'ai deux conférences, le 6 où je reçois... Salut Laurent Rex, merci à toi, merci d'être venu, et avec grand plaisir. Donc le 6 avril, je reçois à Avignon Jean-Philippe Brunet, qui est le papa de la sonde Giotto, pour une conférence, enfin un café des sciences. Une sorte de conférence, mais un peu plus participative avec le public. Et le 13, j'en organise un à moi-même, enfin j'en donne un. Sur le thème des fake news, et tout ça c'est le jeudi soir, donc ça sera au même horaire que normalement je diffuse ça. Donc soit j'en profiterai pour faire une petite pause, ce qui peut être pas mal, je vous le cache pas, soit je ferai ça le mercredi soir. Voilà, dans tous les cas je préviendrai les gens qui sont habitués,
Et puis je ferai les annonces habituelles sur les réseaux, comme on dit. Voilà, mais il est probable que bah, qu'il n'y ait rien du tout le 6 et le 13 avril, qu'on soit au repos. Ça me laissera le temps de me renouveler un peu dans les thèmes. Voilà, parce que l'air de rien, faire un thème différent chaque semaine, ça me demande un peu de préparation. Alors, eh ben, on va pouvoir enlever notre beau dessin de présentation. Et une fois n'est pas coutume, je commence par un petit jeu, mais franchement, c'est un jeu facile. Hop. Je vous l'ai déjà montré. Qu'est-ce que c'est? Ouais, tout à fait. C'est les cellules convectives à la surface de la photosphère. Donc c'est, oui, c'est facile, hein. Mais bon, voilà. Comme on part sur les étoiles, je trouve toujours bien de commencer par la nôtre, pour plein de raisons. Donc voilà, là on est très très près du Soleil. On n'est qu'à quelques kilomètres en fait, enfin quelques kilomètres. Oui, quelques kilomètres, quoi. Je vais vous dire la distance exacte. On est à 780 km de la surface de la photosphère. Donc pour rappel. Dit ton jardin après un an de sécheresse, oui, ça, sauf qu'il est en mouvement là, mais ouais, ça fait un petit peu ça aussi. Je suis assez d'accord. C'est vrai qu'on dirait le fond d'un oued complètement desséché. Oui, pardon, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, d'habitude, on représente souvent le soleil pris en photo avec des filtres qui permettent de montrer la chromosphère du soleil qui est rouge et flamboyante, qui est là où il y a la plus grande activité magnétique et du plasma solaire. Donc le plasma, hein, c'est cette matière qui constitue le Soleil, qui est une matière ionisée en fait. La chromosphère est en fait une zone où la matière est très électrique, parce qu'il y a tellement d'énergie qui est conférée aux molécules que voilà, les électrons sont souvent éjectés, on se retrouve avec une matière ionisée. Et donc c'est une matière qui est en grande activité magnétique. Là, on est dans la photosphère. D'ailleurs, j'ai trouvé une photo magnifique tout à l'heure sur Twitter d'un certain Andrew McCarthy, alors que je ne connaissais pas. Je résiste pas au plaisir de vous la montrer. Je ne sais pas si tu l'as vu, toi, Jean-Baptiste. Il y a 90 images compilées pour arriver à ça. Donc on a la couronne solaire. Ouais, c'est incroyable, hein? On a donc la couronne solaire qu'on voit assez bien. On a des flares, ces espèces de filaments rouges qu'on voit sur le limbe du Soleil, qui peuvent être parfois des éruptions solaires quand elles cassent et qu'elles sont éjectées dans l'espace. Voilà, enfin, il y a un peu tout. Il y a un peu tout. Et alors là, je ne sais pas exactement quel filtre il utilise, mais j'ai l'impression qu'on est un peu à mi-chemin de la photosphère et de la chromosphère parce que. On n'a pas vraiment le jaune des cellules convectives et on est quand même très très foncé. Donc oui, tu le connais? Tu connais Andrew McCarthy? J'imagine si tu dis ça. Parce que Scalemania, d'accord. Jean-Baptiste Feldman, d'ailleurs j'en profite pour l'annoncer, hein, voilà, c'est un astrophotographe et normalement on devrait ensemble, si tout marche bien au niveau du guest de Twitch, parce que je redoute toujours un petit peu quand j'invite quelqu'un, c'est techniquement un peu plus difficile. Mais normalement, on devrait faire un duo la semaine prochaine avant que je fasse une petite pause où on fera moitié présentation de ces photos de la Lune et moitié bah, petite surprise. On va dire que ça sera pas très éloigné d'Apollo ce qu'on va faire. Voilà. Donc voilà, je voulais vous montrer cette magnifique photo de McCarthy. Il a mis des heures et des heures et des heures à faire ça. Je vous avais déjà montré ceci. Voilà, je reprends plaisir à vous le montrer parce que voilà, comme on va bien parler des, enfin, comme on va parler d'étoiles, c'est quand même bien de rappeler ce que c'est. Donc là, on est dans la chromosphère, justement. Donc c'est cette zone qui enveloppe le Soleil. C'est vraiment, c'est l'atmosphère en fait du Soleil. C'est exactement comme l'atmosphère de la Terre, sauf que c'est l'atmosphère d'une étoile. Donc voilà à quoi ressemble l'atmosphère d'une étoile. On a la Terre à l'échelle, hein. Donc là, on a des boucles coronales qui s'échappent de la chromosphère et qui retombent. On voit, hein, ce plasma qui retombe complètement brûlant à plusieurs millions de degrés, qui retombe dans la chromosphère. Bah, alors là, Blandine, écoute, si je pouvais répondre à ça, en fait, je serais peut-être pas loin d'avoir un prix Nobel de physique. Comme je suis très loin d'être du niveau d'un prix Nobel de physique, je ne peux pas répondre à ça. On ne sait pas vraiment. Alors, on pense, voilà, que c'est l'activité magnétique, hein, qui est responsable de ça, mais c'est une des grandes. Non, non, mais tu fais bien de poser la question. C'est une des grandes énigmes de l'héliophysique, de la physique solaire.
On ne sait pas pourquoi la chromosphère est plus chaude que la photosphère. La photosphère est à voilà, 5500 degrés environ. La chromosphère monte jusqu'à 1 million de degrés. Par contre, elle est beaucoup moins dense. C'est pour ça d'ailleurs que nous, depuis la Terre, on voit en fait le disque jaune du Soleil, on ne voit pas du tout la chromosphère, on voit la photosphère. Parce que la chromosphère, on passe au travers. Mais avec des filtres, je sais, c'est des filtres hydrogène, hein, je crois, c'est des H3. Peut-être tu peux me confirmer si je dis une bêtise ou pas, Cielmania. Parce que j'en ai utilisé, mais je ne me souviens plus où. Ou O2, non, c'est des filtres O2, ah, je sais plus. Enfin, il y a des filtres qui permettent de voir la chromosphère. Voilà. Et donc, voilà, notre Soleil, ce qu'il fait là, c'est que. Donc, c'était une vidéo Godard de la NASA. Salut Marius. Notre Soleil, ce qu'il fait là en ce moment, c'est qu'il est gentiment en train de transformer 600 millions de tonnes d'hydrogène en 596 millions de tonnes d'hélium. Il transforme son hydrogène en hélium et il perd 4 millions de tonnes par seconde et c'est ça qui nous éclaire. C'est ça qu'on reçoit sur Terre. Bon, je vais m'éloigner un petit peu parce qu'on a bien vu quand même les cellules là. C'est ça qu'on reçoit sur Terre et dans tout le. Salut Pouli 55. Et dans tout le système solaire, c'est grâce à ça qui nous éclaire et qui nous chauffe. C'est ces 4 millions de tonnes de matière qui perd chaque seconde. C'est le rayonnement électromagnétique du Soleil. Donc c'est grâce à ça qu'on existe en fait. Hein. Donc 4 millions de tonnes, évidemment, c'est rien du tout hein, pour lui. Par rapport à sa masse, c'est absolument ridicule. Je vais accélérer un petit peu, qu'on le voit bien tourner. Voilà, j'augmente un petit peu pour qu'on voit la couronne, c'est plus sympa. Et donc, voilà, notre Soleil, à un moment donné, il va quand même arriver au Terre. Ah oui, si je dis un petit truc quand même qui est intéressant, c'est que cette proportion d'atomes d'hydrogène et d'hélium, c'est-à-dire qu'il y a 75% d'atomes d'hydrogène dans le Soleil et 25% d'hélium, oui, Laurent Rex, hein, les lignes de champ magnétique en seraient la cause. Bah, oui, ça, en même temps, ça semble assez logique, hein, je ne me mouille pas trop en disant ça, mais le mécanisme en lui-même, vraiment précisément, je crois qu'il n'est toujours pas vraiment compris. Hein, il mérite d'être modélisé. Et c'est hyper complexe de modéliser la physique solaire, en fait. C'est très, très, très complexe. Il est multipolaire, déjà. Il n'a pas que deux pôles comme le champ magnétique terrestre. Hein, il a plus de 20 pôles, si je ne dis pas de bêtises, un truc comme ça. Et voilà, ça reste un champ de recherche très, très actif. Donc je disais, oui, ce qui est amusant, c'est que la proportion d'atomes qui est dans le Soleil, en gros 75% d'hydrogène et 25% d'hélium, alors je rappelle que l'hydrogène, c'est l'atome le plus simple de l'univers, si on compare ça à des briques de Lego, c'est la brique de 1, tout simplement, c'est le plus petit Lego cubique qui existe, avec le petit picot au-dessus, le tenon, comme on dit, et en fait, un atome d'hélium, on peut dire en gros que c'est 4 atomes d'hydrogène ensemble. Donc. Voilà, 75% d'hydrogène dans le Soleil, 25% d'hélium. Et en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que c'est justement la proportion dans l'univers, en général. Dans l'univers global, on va dire, dans l'univers observable, on a aussi 75% d'hydrogène et 25% d'hélium. Alors, c'est pas non plus complètement délirant, parce que le Soleil est une étoile moyenne, et la majeure partie de la matière visible, on va dire, en fait, est constituée. Si on met le gaz de côté, les nébuleuses de côté, mais les étoiles se forment dedans et constituent des étoiles. Et les étoiles se formant dans les nébuleuses, voilà, on retrouve cette même proportion en fait dans l'univers. Donc le Soleil, il est en train de fusionner ça. Je vous remontre quand même, parce qu'il va en être question, je sais que je l'ai montré déjà la dernière fois, mais c'est quand même très important. Le diagramme HR, alors je mets lequel? Est-ce que je mets le con? Ouais, je vais mettre le simple. Voilà. Donc ça. C'est le diagramme HR du nom de deux astronomes et deux physiciens qui l'ont mis au point. Je vais peut-être retirer ma trogne, tiens, on m'a assez vu, je trouve, pour l'instant. Tac. Donc, le Soleil, vous voyez, alors je crois que. Ouais, mon pointeur, il apparaît pas sur les images. Le Soleil, bon, il est très bien indiqué sur le diagramme, là, il est au centre, en fait. Donc, c'est une étoile de type G, de luminosité 1 arbitrairement, parce que voilà, on classe les étoiles en fonction de la luminosité qu'elles dégagent par rapport à la luminosité du Soleil. Et donc, à un moment donné, notre Soleil, il va. Oui, pardon, cette bande qui part de. On va dire du M pour monter jusqu'à 1000, hein, d'abscisse en ordonnée, cette bande, c'est la séquence principale.
c'est la majeure partie de la vie d'une étoile, c'est l'équivalent de la vie d'un adulte, hein, c'est-à-dire de 18, on va dire avant le grand âge, avant, allez, on va dire avant 80 ans. Pour une étoile, c'est pareil, elle va passer la majeure partie de son existence sur cette séquence principale. Alors, soit en tant que naine rouge, soit en tant que géante, soit en tant qu'étoile jaune comme le Soleil. Mais à un moment donné, cette étoile va avoir épuisé son combustible, dans le cas du Soleil, son hydrogène, et elle va sortir de la séquence principale. Et là, il va lui rester très peu de temps à vivre, elle va devenir une étoile géante. Alors, est-ce qu'on part directement? Non, je vous explique quand même rapidement, parce que bon, même si vous, vous le savez, c'est pas forcément le cas des gens qui regardent la chaîne ensuite ou qui viennent en live. En fait, voilà, une étoile comme le Soleil ou comme toute étoile sur la séquence principale, on dit qu'elle est à l'équilibre, c'est-à-dire qu'elle est prisonnière de deux forces qui se contredisent. C'est la pression due à la gravité, toute la masse est dirigée, la gravité dirige la pression vers le centre, et au contraire, la chaleur fait gonfler, a tendance à faire dilater les étoiles, exactement comme un gâteau au four ou comme un pneu en été, il va se mettre à gonfler. Sauf que ces deux forces se compensent, elles sont de forces égales, et donc le Soleil est à l'équilibre, l'étoile est à l'équilibre. Mais quand le Soleil aura épuisé tout son hydrogène, sa température va temporairement baissé, la gravité va remporter la mise temporairement, il va commencer à comprimer le cœur de l'étoile. Et là, il y a une petite astuce qui va se passer, c'est que le cœur de l'étoile étant comprimé, sa température va augmenter. Il va atteindre non plus les 15 millions de degrés qu'il a aujourd'hui et qui lui permet justement qui lui permettent de fusionner justement les atomes d'hydrogène, hein, qui sont les atomes les plus faciles à fusionner, vu que ce sont les plus légers, c'est ceux qui demandent le moins d'énergie, mais c'est quand même 15 millions de degrés. Et il va atteindre 100-150 millions de degrés. Cette énergie est suffisante pour fusionner les atomes d'hélium. Sauf qu'à cette température-là, son cœur va envoyer énormément par convection, de chaleur vers les couches extérieures et ça va dilater l'étoile. Ça va le faire devenir une géante. Voilà. Voilà ce qui se passe quand une étoile sort de la séquence principale et devient donc une géante. Alors, évidemment, quand on pense aux étoiles géantes, on pense, enfin du moins pour ceux qui s'intéressent un peu à l'astronomie, on pense aux étoiles qui explosent. Alors le Soleil n'explosera pas, mais on sait qu'il y a des étoiles qui sont capables d'exploser. Et si on fait une petite recherche sur les listes d'étoiles qu'on soupçonne d'être capables d'exploser prochainement, alors bien sûr, il y a les grandes stars telles que Bételgeuse, dont on parlera, peut-être Antarès. En fait, celle qu'on pense être la plus proche d'exploser. Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je regarde. Ah oui, quand même, je peux vous montrer cette image, oui. Parce qu'on parle des étoiles, quand même sympa de voir où elles naissent rapidement. Alors, vous êtes beaucoup à l'avoir vue, mais elle est tellement belle, hein, que je ne peux pas m'empêcher. Voilà. Voilà où naissent les étoiles, hein, dans ces nébuleuses de régions moléculaires. Donc ça, c'est les falaises cosmiques dans la carène. Image qui a été prise par le James Webb. Je vous laisse en profiter, je vous amène au James Webb rapidement et puis ensuite on reprendra ce que je disais. Ouais, on s'en lasse pas, hein, je suis assez d'accord. Alors, je vais justement vous amener au James Webb. Voilà, il est ici. Je vous laisse l'image, hein, pour l'instant. Le temps que j'affiche mon web. Voilà, on va y arriver. Et le voici. Très joli James Webb avec son miroir incroyable fait de beryllium et d'or. Qu'est-ce qui fait rêver, les falaises cosmiques ou le James Webb? Moi, les deux me font rêver. Surtout que ce satellite, ce télescope satellite, on l'a attendu quand même pendant 10 ans, quoi. C'est quand même un truc de dingue.
Alors, on peut faire un truc sympa. Les deux, hein? Ouais, je suis d'accord. On peut faire un truc vraiment sympa. Tout l'intérêt de Space Engine et de ce genre de logiciel, c'est, et ouais, c'est le James Webb, tout à fait. Alors, il est très grand, hein? Il est très très grand. Je crois que le miroir primaire fait 8 mètres, il me semble, un truc comme ça. On va se... Ça a pas de gueule? Ah ouais. On va se rapprocher. Ah, tu le trouves pas joli? Moi, j'adore ce miroir, en fait, fait en hexagone. Je le trouve complètement hallucinant. Regardez la réflexion des étoiles sur sur le miroir en or. Alors après, Marius, voilà, il faut savoir que il devait être mis en orbite, si je dis pas de bêtises, un truc comme en 2008. Oui, il est bien positionné, il est OL2, ouais, tout à fait. Il devait être mis en orbite en 2008 et donc on l'a attendu, tu vois, 2021. On l'a quand même attendu 13 ans. Oui, alors c'est vrai qu'il a des aigrettes gigantesques et que voilà, ça fait des spikes de diffraction géants sur les photos qu'on voit très bien d'ailleurs, hein, si je la remets. Tac. Voilà, on voit très bien hein, les aigrettes. Là, il y en a 6. Avec Hubble, on n'en avait que 1, 2, 3, 4. C'est vrai. Mais bon, tu sais qu'il y en a qui sont fans de ces aigrettes et qui les rajoutent même sur leurs photos. Hein, donc, bon. Donc voilà. Alors, je voulais revenir à l'histoire de ce télescope est incroyable. Hein. Il y avait 315 points critiques. Quand ils l'ont déployé dans l'espace, il avait 315 raisons de foirer complètement et donc de faire perdre, je sais plus, 30 milliards de dollars, je sais plus combien il a coûté au total. Il a dépassé au moins 4 fois le budget prévu. Voilà, c'est une sacrée aventure. Alors là, j'ai extrêmement rajouté de luminosité pour qu'on le voit, parce que comme il est au L2, il est en plein dans l'ombre. Voilà. Donc en réalité, on voit plutôt les nuages de Magellan et les galaxies comme ça. Donc, je voulais vous amener aux étoiles qu'on suppose être prochaines supernovas. Et elles se situent dans Pégase. Donc, c'est Ica Pégasi. Alors, on ne peut pas être certain, bien sûr, que ça sera les prochaines étoiles à exploser. Il n'y a absolument aucune certitude là-dessus. On ne peut pas rentrer vraiment dans le cœur d'une étoile pour savoir précisément où elle en est dans son évolution. On peut que supposer, de par sa luminosité, par rapport à des équations connues depuis une centaine d'années, où en est l'étoile dans son développement. Mais celle-ci, Ica Pegasi, qui n'est pas très loin, hein, je ne sais pas si vous arrivez à lire la distance, je vous ai laissé les infos pour une fois. On est à 160 années-lumière environ de la Terre, donc c'est en fait assez proche. Donc dans la constellation de Pégase, entre Pégase et le Cygne, et là on a un système double, comme très souvent dans les étoiles. On a une naine blanche et une étoile blanche de la séquence principale. Elles sont pas très éloignées l'une de l'autre. Alors on va déjà voir l'étoile blanche. Voilà de près, donc ça c'est Ica Pegasi A. Elle fait. On peut la comparer à Sirius, en gros. Hein. Elle fait une masse solaire et demie, un diamètre solaire et demi, donc elle est tout à fait bien proportionnée par rapport à notre Soleil. On va dire qu'elle a la même densité, elle est juste plus grosse. Et elle a donc un compagnon autour duquel elle orbite, et ils sont très très proches l'un de l'autre. Vraiment très proches. Si on se met près de la naine blanche. Donc en gros, on avait un système double au départ. Hein. Ah oui, alors là, elle est très accélérée, notre naine blanche, c'est vrai. Voilà. Sa rotation est plutôt comme ça. Au départ, on avait un système double, voilà, avec une étoile probablement de 5-6 masses solaires environ, et donc l'étoile blanche, l'autre qui devait être.
soit plus jeune, soit comme elle est de masse inférieure, elle a une durée de vie plus longue. Parce que, oui, je le redis, hein, plus une étoile naît massive, avec beaucoup de masse, plus elle va consommer vite son carburant. Et donc, au lieu de vivre 10 milliards d'années comme le Soleil, elle va vivre quelques petits millions d'années. Une étoile de 10-15 masses solaires, par exemple, va vivre 1, 2, 3 millions d'années maximum. Donc, voilà, vraiment, elles peuvent vivre 1000 fois moins longtemps. Donc, on a cette étoile. Et donc une naine blanche, une étoile très 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 compacte. Hein. Je rappelle qu'une cuillère de naine blanche, ça pèse entre 1 et 100 tonnes, suivant si on est près du cœur ou non. Cette étoile doit être partiellement cristallisée dans son cœur. Et à une distance inférieure à la distance à laquelle Mercure orbite du Soleil, on a cette étoile blanche, proche de la naine blanche. Donc, à environ 30 millions de kilomètres. Elles sont à seulement 30 millions de kilomètres l'une de l'autre. Et si on les regarde orbiter, alors on ne sera pas surpris de voir qu'elles sont en résonance, hein, évidemment. Tournent tellement depuis longtemps ensemble qu'elles sont complètement calées l'une et l'autre. Elles se regardent en étoile de faïence. On voit qu'elles restent toujours à la même distance. Mais il va arriver un moment où notre étoile blanche, Ika Pegasi A, va sortir de la séquence principale. Alors, oui, Blandine pose une excellente question. C'est un peu le problème des dénominations en astronomie. Il y en a certaines qui ne sont pas très rigoureuses, en fait. Pourquoi on parle d'étoile blanche et pas de naine blanche? Bah parce que naine blanche, c'est déjà le titre est déjà pris par les cadavres stellaires d'étoiles de masse modeste, comme le Soleil et autres. Donc c'est une naine, tout à fait. C'est une naine parce que tout simplement elle est encore dans la séquence principale et elle est pas, elle s'est pas formée avec suffisamment de masse pour être considérée comme une hypergéante ou autre. Donc c'est une étoile naine du même type que le Soleil, mais on ne parle pas de naine blanche parce qu'il y aurait confusion avec les cadavres d'étoiles, quoi. On parle d'étoiles blanches. Cela dit, il y a un peu la même chose pour les étoiles bleues. J'ai très rarement entendu parler de naine bleue. Alors que certaines étoiles voilà, sont bleues et d'une masse assez faible. Hein. Par exemple, Vega, elle est bleu-blanc, mais on dit étoile bleue ou étoile blanche. Les naines rouges peuvent être plusieurs étoiles, c'est-à-dire. Les naines rouges. Alors. Oh, ouais. D'une naine blanche. Alors, j'ai déjà lu un truc comme ça. Oui, j'ai déjà lu que naine bleue c'était une étoile théorique. Une naine bleue est une étoile hypothétique qui provient de l'évolution d'une étoile naine rouge. Ouais, après qu'elle aurait épuisé son hydrogène. Mais comme il y en a pour 100 milliards d'années, hein, si je dis pas de bêtises, on n'en a pas encore vu des naines bleues. Voilà, c'est ça, c'est des problèmes de nomenclature, de dénomination, quoi. Donc on en revient à notre couple. Notre étoile blanche, donc elle va devenir géante, elle va sortir de la séquence principale. Et elle va se faire shipper sa matière par Ika Pegasi B, par la naine blanche. Parce que celle-ci est plus compacte, donc son attraction gravitationnelle sera plus forte. Et elle va donc recevoir de la matière de la naine rouge qui va lui tomber dessus. Et là, il va y avoir des explosions thermonucléaires de surface. Donc ça va provoquer des novas. Hein, c'est ça au départ qu'on a appelé des novas. On ne savait pas ce que c'était, mais. Aujourd'hui, les astronomes ont compris qu'en fait, c'était des étoiles qui s'accaparaient un petit peu de matière et qui avaient des explosions sur leur surface. Et à un moment donné, cette étoile, et là, on est vraiment dans le cas où ça peut arriver, elle va dépasser une masse fatidique. Cette belle étoile, je vais la ralentir un petit peu, hop, je vais me rapprocher d'elle. Comme toutes les naines blanches, elle a une masse critique qu'elle ne peut pas dépasser. Cette masse critique, c'est un mathématicien qui l'a découverte, Chandrasekhar, il y a un petit moment déjà. C'est une 44 fois la masse du Soleil. Donc on voit qu'elle est déjà à une masse solaire 15. En face, il y a une géante qui va, enfin, il y a une future géante qui va lui apporter jusqu'à plus d'une masse solaire. Donc il y a toutes les chances qu'elle dépasse les une masse solaire 44. Quand elle va dépasser les une masse solaire 44, en fait, déjà, ce qui va se passer à chaque fois qu'elle va s'accaparer un peu de matière, donc je dis qu'il y en a une partie qui va exploser, mais il y en a quand même une partie qu'elle va conserver, son rayon va diminuer.
Ça, c'est très étonnant. Je crois que je l'avais déjà évoqué la dernière fois. Hein. C'est un des trucs qui font que les naines blanches me fascinent. C'est qu'elles, c'est des objets qui sont déjà tellement compacts que quand on lui ajoute de la matière, elle ne grossit pas. Elle diminue. Parce que sa gravité, la compression gravitationnelle est tellement forte que, en fait, vous ajoutez de la matière, vous ajoutez de la compression gravitationnelle. Donc, son diamètre va diminuer. Donc, sa compacité va augmenter. Et à un moment donné, elle va entrer en explosion thermonucléaire. Elle va exploser. C'est ce qu'on appelle une supernova de type 1A. Alors j'ai quelques images de supernova, enfin quelques simulations de supernova de type 1A. Je vais vous en montrer deux. Voilà, il y en a une de la NASA. Alors c'est pas la plus belle, mais elle est, voilà, elle est très bien parce qu'on voit la géante, on voit la naine blanche. On voit le disque d'accrétion. Alors, je vous montrerai des naines blanches qui ont des disques d'accrétion. Ça peut tout à fait arriver. Et voilà, là, il semblerait qu'elle ait atteint la masse de Chandrasekhar. Donc, elle a explosé. On en a une autre. Moi, je pense que c'est la même d'ailleurs. Dans le même genre. Et je crois que la dernière vidéo, c'est deux naines blanches. Parce qu'on peut avoir deux naines blanches aussi. Voilà. Donc on a vu le rémanent, là, ce qui reste, la nébuleuse en fait. Comme par exemple la supernova, enfin, le rémanent Kepler ou le rémanent Tycho, on pense que c'est des supernovas de type 1A. Et pour la petite histoire. Donc oui, on peut trouver les vidéos sur physique.org. Pour la petite histoire, les supernovas de type 1A sont les supernovas les plus lumineuses qui existent, bien que ce soit finalement des étoiles assez modestes, hein, ces naines blanches qui explosent. Quand on a des étoiles comme Bételgeuse qui font 10 masses solaires ou autres. Oui, alors merci. Je vais y revenir, c'est une très bonne remarque. On a d'autres types d'explosions d'étoiles. Les étoiles plus massives, qu'on va voir après. Donnent des supernovas par effondrement de cœur. C'est-à-dire que c'est l'étoile elle-même qui s'effondre en elle-même, on n'a pas besoin de lui ajouter de la matière, et elle explose. Ces supernovas, qui sont pourtant issues d'étoiles plus puissantes, entre guillemets, plus massives, sont moins lumineuses, leur pic de luminosité est moins haut que les supernovas de type 1A. Et en fait, les supernovas de type 1A, comme elles sont calibrées, en fait, elles explosent à une masse solaire 44. Elles ont toujours le même pic de luminosité, ce qui a permis d'établir des chandelles cosmiques et de mesurer l'univers. On a pu aller relativement loin et donc remonter relativement tôt dans l'histoire de l'univers grâce aux chandelles standards, on les appelle comme ça, les supernovas de type 1A. Et elles sont à l'origine de la fameuse découverte en 98 par... Ah, leur nom m'échappe. C'est Adam Reiss et Permuller, je crois. Pas dire de bêtises, enfin ceux qui ont eu le prix Nobel pour la découverte de l'expansion accélérée de l'univers. Voilà, ils ont calculé justement les distances des supernovas de type 1A. Alors je reviens sur ce que tu dis, qui est une très très bonne remarque, Jean-Baptiste, il vaut mieux pas être dans les parages. Alors justement, là, je vous rappelle que si on retourne chez nous, ce qu'on va faire comme ça, on va se rappeler que ce couple-là, il n'est pas très très loin. Il n'est qu'à 160 années-lumière de chez nous. Je vais le cibler. On va voir. Ika, Peg. Voilà. Tac. Et donc on n'est qu'à 160 années-lumière. Et en fait, c'est limite. C'est limite, limite. Alors évidemment, elle serait à 50 années-lumière ou 10 années-lumière. Bon, là, ça serait vraiment, vraiment craignos. 160 années-lumière, on peut se dire, bon, ça va. Mais en fait, on peut vraiment être assuré parce que cette étoile, Pégase A, elle s'éloigne de nous à 20 km par seconde. Donc en fait, si on fait le calcul, elle sera à environ 500 années-lumière dans 5 millions d'années. Ce qui est peut-être ce qui reste à vivre à l'étoile principale. Et puis 5 millions d'années, bon, on va pas se mentir. Ça nous fait un peu loin quand même, hein. Donc bon, normalement, on ne devrait pas tous mourir à cause de cette supernova de type 1A.
Alors, voilà, on est revenu chez nous. On va parler des étoiles géantes maintenant, vraiment aller voir des étoiles géantes. Donc, moi, ce que je propose, parce que je trouve ça toujours sympa quand même, c'est d'aller se mettre devant notre ciel. Donc voilà, ça c'est le ciel de ce soir. Alors vous le connaissez parce que je vous l'ai souvent présenté ces derniers temps. On a au centre Orion, on a à gauche Sirius, on a à droite le Taureau, on reconnaît les Pléiades ici, là. Hop, voilà. 5, non, pas 5 milliards, Blandine, 5 millions. 5 millions d'années. Ah non, 5 milliards. Non, non, une étoile blanche qui fait une masse solaire et demie, elle va pas vivre 5 milliards d'années, c'est ce qui reste au Soleil, donc elle, il lui reste moins à vivre. Donc voilà, je vais vous montrer une étoile qui est très très connue, qui s'appelle Aldébaran. Il y a même eu des bandes dessinées écrites sur elle. Elle est très reconnaissable parce que voilà, elle est quand même très rouge, alors pas tout à fait autant que Bételgeuse, ou pas autant que Mucefeï, que je vous présenterai peut-être. Un peu moins rouge que Mars qui est au-dessus. Hein, Mars est là. Voilà. Mais Aldébaran se repère très facilement déjà parce qu'il y a ce V là, hein, des cornes du taureau, qu'on repère vraiment très bien. Avec des jumelles, on peut voir le très bel amas des Hyades. Et puis à l'ouest d'Aldébaran, il y a les Pléiades. Donc vraiment, ça se repère très facilement. Et donc cette étoile, ben, on va aller la voir. On n'est pas très loin, vous voyez, on est. Ah oui, voilà, je lisais 1100, je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Oui, voilà, on a une soixantaine d'années-lumière d'Aldébaran. Et cette étoile, elle est en route, on se déplace. Je vous remonte toujours parce que j'adore, hein, les constellations qui se déforment. Je trouve ça tellement pédagogique. Voilà, donc on se rapproche, on n'est plus qu'à 10 années-lumière d'Aldébaran, on se rapproche aussi des Hyades. Et on voit d'ailleurs, elle a un petit compagnon, Aldébaran, elle a une naine rouge. Et donc Aldébaran est une étoile géante. C'est une géante rouge, alors c'est pas la plus grosse des géantes rouges, hein, loin de là. Elle fait une quarantaine de fois le Soleil, de mémoire. Oui, c'est ça, 43 fois. Et elle a même une planète. Alors, voilà à peu près la taille qu'aurait le Soleil si il avait le diamètre d'Aldébaran. Voilà la taille du Soleil dans notre ciel, quoi, en gros. C'est à peu près ça. Vous pouvez tendre le doigt, hein. Normalement, le Soleil fait la moitié de votre ongle, bras tendu. Donc voilà ce qu'on aurait dans le ciel. On aurait un peu chaud, je vous le cache pas. D'ailleurs, la planète qu'il y a autour a un peu chaud. On peut la mettre en mouvement, c'est toujours plus sympa. Voilà. Donc on voit qu'elle expulse énormément de gaz. Elle a une couronne solaire et un vent solaire très très imposant. Elle a des cellules convectives aussi qui sont gigantesques. En fait, les cellules convectives, en gros, font la taille de notre Soleil. Tu entends plus rien, Blandine? Et les autres, ils entendent? Vous m'inquiétez. Ok. Alors ton PC s'est peut-être mis en pause, Blandine, ou un truc comme ça. T'as dû le régler pour se calmer au bout d'un certain moment. Je sais pas quoi te dire. Ferme et reviens sinon. Ferme la page et réouvre, je pense que c'est le mieux. Donc voilà, ces cellules convectives, là, elles ont la taille du Soleil en fait, hein. C'est absolument gigantesque. Et on peut, par exemple, aller voir cette petite planète. Alors, elle n'est pas super sexy, on va dire, cette planète. Hein. C'est un Jupiter chaud. Très, très chaud même. Voilà, donc il y a ça en orbite autour d'Aldébaran. Donc Aldébaran, voilà, elle est sortie de la séquence principale et il lui reste plus très longtemps à vivre. Alors, elle fait quelle masse? Ou elle a une masse assez modeste, hein. Une masse 7, donc elle va finir en naine blanche. Très probablement. Alors, ouais, j'avais envie de vous amener voir. Moi, ce que j'aime, ce que j'ai vraiment adoré dans l'astrophysique, pas ce qui m'a fait entrer
pas ce qui m'a donné envie de m'intéresser à l'astrophysique. Ce qui m'a donné envie de m'intéresser à l'astrophysique, c'était plutôt la cosmologie. C'était plutôt comprendre les grandes structures de l'univers, etc. Et ouais, Blandine, mais je sais pas quoi te dire, parce que si t'es la seule à pas entendre, c'est que forcément ça vient de ton système. Je pense vraiment que tu devrais éteindre Twitch et rallumer. Ce qui m'a vraiment fait accrocher à l'astronomie, c'est certains termes, comme horizon des événements, par exemple, pour ce qui est l'enveloppe d'un trou noir, on va dire. Il y a des termes comme ça que je trouvais vraiment très très poétiques. Et là, il y en a un qui est pas mal, c'est le terme de variable cataclysmique. Donc, je vais vous amener voir une variable cataclysmique. C'est un couple d'étoiles. Ouais, peut-être l'ordi aussi, ouais. Donc, on a une naine rouge ici. Donc là, on est dans la constellation de la mouche. Et tu entends, c'est bon? Mais ça marche ou ça marche pas? Tu comprends pas, mais ça marche. Oui, voilà, c'est ce qu'on te disait. Des fois, faut pas chercher avec l'informatique, hein. D'ailleurs, moi aussi, j'ai des petits problèmes en ce moment avec ma carte graphique, mais bon. Tant que Space Engine fonctionne, c'est le principal. Donc là, on a une naine blanche. On va aller la voir rapidement. Et regardez, je vous l'avais dit, hein, c'est une naine blanche qui est très excitée. Je vais la mettre à vitesse normale, c'est déjà bien suffisant. C'est une naine blanche qui a un disque d'accrétion et des jets polaires. Enfin, des jets. Des jets polaires, oui. Et d'ailleurs, si on la fait tourner, on voit bien que. Voilà, les jets, ils s'échappent bien des pôles. Et donc cette étoile, cette naine blanche, elle a une copine près d'elle. Mais quand je dis près d'elle, c'est hyper près d'elle en fait. Regardez ça. On est à seulement 200 000 km. Elles sont éloignées l'une de l'autre de 200 000 km. Et on est vraiment dans le cadre de ce que les astronomes ont appelé des variables cataclysmiques, c'est-à-dire qu'on a une naine blanche et une naine rouge. C'est ces couples-là qui forment les variables cataclysmiques. Donc c'est des couples qui sont, je suppose, très souvent très resserrés comme là. Là, c'est vraiment extrêmement resserré, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 200 000 km entre deux étoiles, c'est vraiment rien du tout. C'est plus court que la distance Terre-Lune. C'est vraiment incroyable. Et donc, son disque d'accrétion à cette naine blanche, tiens, je peux les faire tourner, hein. Elles ont une période orbitale de 1h24. Ouais, c'est incroyable. 1h24 pour faire le tour l'une de l'autre. Ah, d'ailleurs, tiens, il y a un petit truc qui me choque là, moi, sur ce qu'on voit. Je sais pas si quelqu'un le remarquera. Donc, elle doit probablement shipper de la matière à cette naine rouge, et c'est ça qui provoque les novas. Donc les novas, c'est les subits sursauts de luminosité d'une étoile. Donc les astronomes anciens croyaient qu'une étoile naissait, apparaissait dans le ciel, hein, d'où le nom de nova. Aujourd'hui, non, on sait voilà que c'est juste entre guillemets une explosion d'étoile, une explosion à la surface d'une étoile. Alors il y a un qui vous choque un peu. Quand on se rapproche, alors je pense que c'est le logiciel, hein, ou alors j'ai rien compris à ce que c'est qu'un corps noir, mais quand on se rapproche, on voit que le côté de la naine rouge qui est orienté vers la naine blanche est plus brillant que l'autre. Alors je sais que les étoiles sont des corps noirs hypothétiques, mais quand même, un corps noir, si j'ai quand même compris le truc, c'est qu'il absorbe tout le rayonnement reçu, et le seul rayonnement qu'il émet, c'est celui qu'il génère lui-même. Il réfléchit à rien. Bon, là, apparemment, cette étoile, elle réfléchit un petit peu. Alors après, c'est vrai qu'une naine rouge, c'est particulier parce qu'une naine rouge, ça émet que, enfin, ça émet que de la lumière rouge et une grande partie d'infrarouge. Donc c'est peut-être la raison pour laquelle celle-ci reçoit quand même de la lumière de la naine blanche. Voilà, donc bah, ce couple, voilà, il est explosif, quoi. Il est particulièrement explosif. Alors ensuite, j'avais envie. Oui, je vous ai montré les vidéos. On va passer aux étoiles supergéantes. Hein. Allez, c'est parti. Il absorbe, mais il a une latence. L'autre côté n'est pas chauffé aussi vite. Ouais. Ouais, peut-être. Peut-être. On va tout simplement retourner voir
notre chère Bételgeuse. Donc, on va reprendre notre ciel du soir et on va foncer sur Bételgeuse. Tac, elle est ici. Hop. Donc, l'épaule d'Orion. Hein. Donc, Bételgeuse qui est l'une des supergéantes les plus connues des astronomes, probablement avec Antarès, hein, qui est un petit peu sa sœur ennemie, vu que Zeus les a placés. L'un à l'opposé de l'autre sur la voûte céleste pour qu'ils arrêtent de se disputer. Orion et le scorpion. Antarès étant la géante du scorpion. Donc, voilà cette étoile qui est dans un drôle d'état, qui est bien sortie de la séquence principale. Alors, son équilibre hydrostatique n'est pas complètement rompu, mais on voit quand même que la pression de radiation la déforme franchement. Elle n'est plus très ronde. Et alors là, il y a marqué qu'elle met 4 ans à faire un tour sur elle-même. Apparemment, ça serait plutôt une trentaine d'années. Alors, vous allez me dire, mais c'est très dur de se rendre compte de la taille de Bételgeuse là. Donc Bételgeuse, elle ferait entre 500 et 1000 diamètres solaires. C'est-à-dire qu'elle arriverait à peu près à l'orbite de Jupiter, quoi. Peut-être plus. En fait, tout ça dépend de sa distance. Et régulièrement, la distance de Bételgeuse est réévaluée. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'astronomie, elle était évaluée à 650 années-lumière environ. Maintenant, elle est plutôt autour de... Non, pardon, elle était plutôt à... Je crois que c'est le contraire. Elle était plutôt à 400, d'ailleurs c'est ce qui est considéré par Space Engine, je crois 450. Aujourd'hui, on pense qu'elle est peut-être un peu plus loin, à 600 années-lumière. Non, je dis une bêtise. Non, non, c'est bien ça. Elle serait plus près, pardon. Elle était considérée à 600 années-lumière, donc d'où le fait qu'elle faisait peut-être 1000 diamètres solaires, et peut-être qu'elle serait qu'à 400 et quelques années-lumière. Donc elle serait peut-être moins grosse finalement que ce qu'on imagine. Donc cette étoile, elle est rouge parce qu'elle est moins chaude que le Soleil en surface, elle s'est tellement dilatée, son cœur est très très chaud, mais ses couches externes sont tellement loin du cœur que la convection ne peut pas autant faire chauffer que quand les couches sont plus près, et donc on a une température de surface qui est autour de 3500 degrés. Vous allez me dire donc c'est très dur de s'imaginer la taille d'une telle étoile. Mais en fait ce qui est sympa c'est que là on a des planètes procédurales, c'est-à-dire que on ne sait pas si en vrai il y a des planètes autour de Bételgeuse. Mais le logiciel peut simuler des planètes autour. Et donc, on peut aller se mettre devant. Ah non, non, il y a une planète rocheuse, c'est encore plus rigolo. Voilà, ici il y a une rocheuse. Terre torride et aride. Une planète qui est à 2150 degrés. Et ce qui est complètement fou, c'est que en fait, là, on est à 2 unités astronomiques et demie. C'est-à-dire que, en gros, on est à la distance de Mars de Bételgeuse. Enfin, la distance qu'a Mars au Soleil, on est à peu près à cette distance par rapport à Bételgeuse. Et elle prend tout le champ de vision. Alors on peut aller se poser sur cette planète pour voir ce que ça veut dire d'être face à un monstre pareil. Alors évidemment la question n'est pas de savoir comment la vie sur Terre tiendrait avec une étoile comme ça à la place du Soleil. Il n'y aurait absolument plus aucune vie sur Terre. Mais voilà, ce qui est sympa, c'est d'essayer de voir un peu ce que l'univers propose, quoi. Voilà. Voilà ce que l'univers nous propose comme étoile. Donc là, on est posé sur cette planète. On a apparemment un genre de coucher de Bételgeuse. Ah non, c'est un lever, pardon. On a un lever de Bételgeuse. Je vous propose un lever de Bételgeuse. Imaginez avoir ça. Alors, je peux enlever les nuages. Voilà. Donc elle se... C'est très étonnant d'ailleurs de voir que cette planète a encore une atmosphère. On voit des astéroïdes passer qui sont d'ailleurs des genres de lunes, je crois. Donc dans la réalité, on imagine mal comment elle pourrait garder son atmosphère.
Il faudrait vraiment que là, on soit dans la période où. Tiens, et là, on a un coucher de Bételgeuse. Dans la courte période où elle a encore son atmosphère, parce que Bételgeuse aurait grandi récemment. D'ailleurs, et j'ai pu le vérifier auprès d'un vraiment grand spécialiste français, enfin même le spécialiste français de Bételgeuse, il s'appelle Dr Miguel Montargès. J'avais vu une étude assez étonnante qui est sortie il n'y a pas longtemps, hein, il y a un an, quelque chose comme ça, qui nous disait que, en fait, Bételgeuse serait peut-être pas si proche que ça de l'explosion, parce que on a retrouvé des textes d'il y a 2000 ans environ, à peu près de l'époque romaine, qui diraient que Bételgeuse était jaune. Il y a encore peu de temps, je crois, du même éclat que Saturne, me semble, enfin de la même couleur que Saturne, me semble-t-il. Comme il paraît complètement hors de propos que Saturne puisse être rouge, c'est donc Bételgeuse qui était probablement jaune, ce qui voudrait dire que elle aurait commencé la fusion de l'hélium il y a finalement assez peu de temps. Et donc ça remet complètement en cause l'idée qu'elle pourrait exploser demain ou dans 1000 ans. La fusion de l'hélium peut durer des centaines de milliers d'années, même pour une étoile aussi gigantesque que Bételgeuse. Donc voilà, elle est peut-être pas si proche que ça de l'explosion, ce qui est pas plus mal parce que honnêtement, Orion sans Bételgeuse, ça serait quand même vachement moins sympa. Alors, évidemment, on est là face à des étoiles gigantesques avec une dizaine de masses solaires prêtes à exploser. On a envie de parler de supernova. Alors, je vous montre la vidéo maintenant et après on va voir les étoiles les plus gigantesques possibles. Allez. J'ai une très belle vidéo de supernova qui a été faite par un artiste passionné d'astronomie qui s'appelle Thomas Vance. Et quand je travaillais au planétarium, là, je montrais, enfin, pendant la période de Covid, en fait, où on ne pouvait plus aller au planétarium, on faisait des séances hybrides avec des projections vidéo. Souvent, je montrais cette petite vidéo. Voilà, en créditant Thomas Vance, et les gens étaient éberlués. Donc il a représenté une supernova de type 2. Je vous la mets, parce qu'en plus elle est un petit peu longue, elle fait 3 minutes. Je l'ai accélérée quand même. Ah oui, non, je crois que je l'ai bien accélérée. Ouais, je l'ai quand même bien accélérée. Donc on a une étoile en fin de vie, type Bételgeuse, c'est-à-dire une étoile super géante, avec plus de 10 masses solaires. Et elle est en train d'expulser ses enveloppes. Et donc bientôt, elle va arriver à la phase où il lui reste 24 heures à vivre, en gros, où elle transforme ses atomes de silice, pour les comparer à de la roche. C'est fou, hein, les étoiles ont un cœur de roche à un moment donné. Elle transforme son cœur de roche en cœur de fer. Et là, voilà, elle fait les noyaux les plus lourds qu'une étoile peut créer dans son cœur. Et en fait, la fusion du fer nécessite de l'énergie. Donc l'étoile explose. Elle ne peut plus entretenir cette fusion. Et bam! En une fraction de seconde, toutes les couches, quasiment à la vitesse de la lumière en fait, toutes les couches de l'étoile s'effondrent les unes sur les autres jusqu'à atteindre le cœur. Et l'étoile est soufflée ensuite, en une fraction de seconde. Toute la matière de l'étoile est dispersée dans l'univers autour. Il y a d'autres processus de formation de nucléosynthèse qui se produisent, dont le fameux R-process. Donc là, on voit qu'il reste un trou noir après, hein, dans cette vidéo. Et c'est à ce moment-là que des étoiles vont pouvoir former de l'or, par exemple. On sait que tout l'or qu'on a sur Terre ne vient pas du tout de la Terre. C'est pas comme le diamant qui peut être fabriqué dans le sous-sol, dans le manteau. L'or est forcément fabriqué par les étoiles parce qu'il faut atteindre plus d'un milliard de degrés pour synthétiser de l'or. Et donc, en gros, il y a deux processus astrophysiques crédibles, probables. C'est donc l'explosion des étoiles type Bételgeuse et autres en supernova lors du R-process, donc quand les souffles sont couchés, pardon, soufflés, qu'elles se repoussent les unes les autres. C'est vrai que moi je fais des gestes, mais il n'y a plus la webcam.
quand les couches se repoussent les unes les autres, en fait, on atteint de nouvelles températures extrêmes et le milliard de degrés là est atteint et donc l'or peut se former. Ou alors il y a les kilonovas, qui sont les fusions d'étoiles à neutrons. On pense que la majorité de l'or qu'on a sur Terre provient d'une fusion d'étoiles à neutrons qui aurait eu lieu voilà, peu de temps ou quelques millions d'années avant la formation du Soleil. Et ces étoiles à neutrons auraient enrichi la nébuleuse dans laquelle le Soleil s'est formé. Donc voilà pour cette super vidéo. Est-ce que vous avez compris comment elle a été faite? Parce qu'en fait, c'est très astucieux et physiquement, c'est super intéressant. Quelqu'un a une idée? Il y a très peu d'effets spéciaux en fait. C'est quasiment tout en réel. Elle a été faite dans un aquarium. Et effectivement, en physique, on modélise les mouvements de gaz dans l'espace comme des fluides. Le gaz est un fluide. Donc, avoir fait ça dans l'eau est vraiment une idée absolument géniale. Mais oui, il a filmé une vraie nébuleuse chez lui, en fait. Il l'a faite avec de l'encre. Vous pouvez trouver d'ailleurs le making-up sur Internet. Donc, c'est Thomas Vance, hein. Je vous l'écris. Il nous reste quoi? Est-ce que... Parce que souvent je prévois plein de trucs que je vous montre pas, c'est un peu dommage. Alors oui, tiens, le Mendeleïev, je voulais pas montrer. Ça c'est quand même bête. C'est une astrophysicienne qui a fait ce Mendeleïev, en fait, donc c'est le fameux tableau des atomes. Et là, c'est l'origine des atomes dans le système solaire. Donc on voit par exemple que hydrogène et hélium, qui est tout en haut à gauche et tout en haut à droite, proviennent... Tiens, je peux mettre ça sur le côté. Proviennent du Big Bang. Zut, je vais faire ça. Mince, je voulais le déplacer, je sais même plus comment on fait. Quel nul. Si, pourtant, c'est transformé. Éditer la transformation. Voilà, c'est ça. Centré à droite. Voilà. Ah ben non, ça, je gâche toujours. Bon, ben je m'enlève alors. Voilà, on voit que les hydrogène et hélium en haut à gauche et en haut à droite proviennent voilà, du Big Bang. Un tout petit peu d'hélium qui est fabriqué par les étoiles type Soleil. Et on voit alors par exemple l'or, dont je vous ai parlé, 79, hein, qui est au milieu quasiment du tableau, 79 AU. On voit que dans le système solaire, on pense que c'est 90% de la fusion d'étoiles à neutrons. Voilà, donc on a l'origine là de tous ces éléments dans le système solaire. C'est une astrophysicienne qui s'appelle Jennifer, je sais plus comment, malheureusement. J'ai oublié son nom, mais il est très facile à trouver sur Internet, ce petit tableau. Alors, je vais vous montrer maintenant les étoiles les plus délirantes qu'on puisse imaginer. Alors, Blandine, toi, je sais que tu en avais parlé une fois de Stephenson, qui est une des plus grosses étoiles connues. Je vais aller la montrer. Alors, bon. Le logiciel ne fait pas une énorme différence entre Stephenson 2.18 et Betelgeuse, mais on va quand même y aller. Ensuite, je vous montrerai Pistol Star. Voilà, alors elle fait... Alors, Space Engine nous dit 180 masses solaires, je crois que ça a été revu à la baisse quand même, parce que très souvent, ce qui se passe avec ces étoiles, quand elles sont très loin, ou quand elles sont dans un amas, c'est qu'on a du mal à distinguer, parce qu'elles sont pesées gravitationnellement, hein, ces étoiles. Enfin, pas toujours, mais souvent elles sont pesées gravitationnellement. On se rend compte ensuite qu'il y a des étoiles en orbite, autour d'elles, que c'est des couples, ou qu'elles sont dans un amas, et du coup la masse est revue à la baisse. Et elle, je crois que la masse a été revue à la baisse. Mais on est quand même dans une étoile qui ferait... Alors 2000 diamètres solaires, voilà, pareil, ça dépasserait en fait les limites théoriques de taille d'étoile. Donc c'est pas sûr du tout qu'elle fasse cette taille-là. Par contre, on peut s'approcher un petit peu, ça c'est assez rigolo. Voilà, on voit que c'est vraiment complètement enflé et déformé, hein. C'est une étoile qui est en très très mauvaise santé. Elle en a plus pour très longtemps, la pauvre. Alors.
Je vais vous emmener voir Pistol Star où je vous montre un trou noir directement. Allez, je vous laisse. Et ta Karina, tu veux retourner la voir? Mais t'étais pas là quand on l'avait montré? Allez, on peut filer la voir vite fait. Hein. Donc Eta Carina, elle est dans la nébuleuse de la carrette. Ah, t'étais pas là. Oh. Ok. Alors, nébuleuse de la carène. Ah bah tiens, direct. Une très belle nébuleuse dans la Voie lactée, qu'on ne voit pas malheureusement depuis chez nous, parce qu'on la voit dans l'hémisphère sud. Et dans cette magnifique nébuleuse, il y a des. Donc évidemment, il y a des étoiles en train de naître. Et il y en a une très particulière, une Wolfrayet, qui s'appelle Eta Carina, qui a sa propre nébuleuse qu'elle a fabriquée elle-même. Parce qu'on pense qu'Eta Carina, elle a justement dépassé la limite de luminosité qu'avait fixée Eddington, cet immense astronome du siècle dernier. Il avait calculé qu'à cause de la pression de radiation, c'est-à-dire on va dire l'énergie transférée par l'électromagnétisme, par le rayonnement électromagnétisme, les couches de l'étoile pouvaient être soufflées si une étoile était trop lumineuse. Donc c'est légèrement différent de la convection. Et justement, on pense qu'Eta Carina est une étoile qui a dépassé ce stade, et la nébuleuse que vous voyez là, l'espèce de tétine un peu bizarre, là, et ben c'est une partie des couches de l'étoile qui auraient été éjectées par ces nombreux sursauts. D'ailleurs, on pense historiquement qu'elle a eu un gros sursaut de luminosité. Alors, je ne sais plus exactement, il faudrait vérifier, il y a 100 ans, 200 ans, 300 ans, je ne sais plus. Et que la nébuleuse de l'Homoncule aurait été créée à ce moment-là. Alors, Eta Carina, elle est où? Carina B, Carina A, voilà. Voilà, elle nous en met plein les yeux. Oui, ça serait une étoile double, oui, ce qui expliquerait aussi qu'elle était plus. Parce que pareil, Eta Carina, elle dépassait la limite de masse prévue. On l'avait estimée à 300 masses solaires. Et en fait, on s'est rendu compte que non, elle est dans un amas et elle a aussi une petite copine. Donc voilà Eta Carina, donc qui nous flinguerait totalement en UV et autres. Bon, bah je vais vous montrer Pistol Star et puis ensuite on ira voir du côté des trous noirs peut-être. Alors, l'étoile du pistolet, pardon, est une étoile assez spéciale qui est tout à fait dans le genre d'Eta Carina. D'ailleurs, tiens, si on sort de la Voie lactée, pour vous montrer, je vais vous montrer où se trouve l'étoile du pistolet par rapport à nous. Alors, je vais augmenter la luminosité, qu'on voit bien. Voilà. Donc, nous, Soleil, voilà, on est ici. Donc, vous avez vu, Eta Carina, déjà, elle est pas à côté. Hein. Et voici où se trouve l'étoile du pistolet. Très, très proche du centre galactique. Et quand même très loin. Elle est à 25 000 années-lumière de nous. Eta Carina, elle est à 7 000. Donc elle est 3 fois et demi plus loin qu'Eta Carina. Et bien l'étoile du pistolet, on pourrait la voir s'il n'y avait pas toute la poussière galactique qui gravite autour du centre de la Voie lactée. On pourrait la voir tellement elle est immense et tellement elle est lumineuse. Donc on va s'y rendre. Donc elle fait 150 masses solaires. Et regardez comme elle est déformée, voilà, par sa rotation. Elle est plus ronde du tout. Donc, elle est vraiment au bout de sa vie, elle aussi, hein, comme Eta Carina. Déformée, ultra lumineuse. C'est, je crois, aussi super géante lumineuse bleue. C'est pas une Wolfrayet? Il me semble que c'est une Wolfrayet, mais je ne suis pas certain. Et je crois que. Voilà. Space Engine s'est bien amusé, ils nous ont mis des planètes. Alors on est complètement incapable de savoir si elle a des planètes hein, pour l'instant. Mais Space Engine nous en a mis, ce qui est assez rigolo. Et il y a donc une planète qui est une super carbone.
Donc je suppose, voilà, c'est elle. Je suppose que cette planète devrait avoir une grande partie de son manteau en diamant. Donc on a bien de la lave. Voilà, on peut aller la visiter hein, si vous voulez, cette planète. Donc je rappelle qu'elle est. Tiens, ça clignote. Alors ça, c'est pas normal. Ah ouais. J'ai oublié de faire ça. Je rappelle que elle est procédurale. C'est-à-dire que elle pourrait exister. C'est pas du tout délirant d'avoir mis une planète à cet endroit-là. C'est relativement récent, je crois, Wolfrayat. C'est peut-être les années 70, un truc comme ça. Mince, du coup, comme je te parlais, j'ai pas fait gaffe, j'ai foncé comme un gros bourrin. Voilà, j'ai foncé dans de la lave. Donc oui, pardon, je disais procédural, ça veut dire que c'est généré de manière automatique en respectant quand même les lois de la physique. Mais on ne sait pas du tout s'il y a à cet endroit-là une planète. Alors, le côté bleu devrait nous indiquer, je pense, l'endroit dans lequel se trouve l'étoile. Ah bah non, c'est par là, tiens. Alors on va essayer d'aller la trouver. Pour la voir dans le ciel quand même. Alors je pense que j'ai enlevé l'atmosphère et les nuages, tiens. Nuages activés. Voilà. Tiens, qu'est-ce que vous en dites? Ah, je vois que. Ouh, il y a un gros lag hein, quand même. C'est marrant, ça, c'est rare qu'il y ait un aussi gros lag. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Des aurores plus une étoile gigantesque. Allez, on va les faire danser un petit peu. Allez, j'enlève les orbites pour que ce soit plus joli. Voilà ce qui peut exister. Donc on ne sait pas si ça existe, mais ça peut. Ça peut tout à fait exister. Tiens, je vais faire une petite image, comme ça je garderai un souvenir de ce live. Hop. Et donc, voilà, après avoir vu une planète imaginaire autour d'une étoile pas du tout imaginaire, hein, Pistol Star, l'étoile du pistolet, je vous propose d'aller voir un couple. Un couple très intéressant. Donc là, on va dans la constellation du Sagittaire. Enfin, quand on dit on va dans la constellation du Sagittaire, c'est-à-dire que depuis la Terre, on verrait ça. Est-ce que je me suis pas trompé? Si, je me suis trompé, pardon. Mais c'est quand même sympa. Non, non, je me suis trompé, c'est pas ça que je voulais vous montrer. C'est un autre couple. Dans le Scorpion, pardon. Là, je suis allé dans le Sagittaire, en fait, je voulais vous amener dans le Scorpion. Voilà. Alors là, on est à vitesse réelle. Donc on est bien face à un trou noir. Et on voit que ce trou noir déforme totalement l'espace autour de lui. Là, je le fais passer devant la Voie lactée. Et il nous fait une belle soupe d'étoiles avec la Voie lactée. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle une lentille gravitationnelle. Alors je vais expliquer quand même rapidement. Ce que c'est qu'un trou noir. Pour comprendre ce que c'est qu'un trou noir, il faut en fait abandonner la gravitation newtonienne, même si, d'après Newton, on pouvait envisager les astres occlus, hein, on les appelait comme ça, oui, un beau ventilateur. Mais on ne peut pas expliquer toute la physique d'un trou noir par la physique newtonienne, donc il faut aller du côté d'Einstein. Bien faire un petit tour chez Einstein, comme dirait la grande cantatrice Dorothée. Oui, cette chanson existe, absolument. Je vous la recommande d'ailleurs. Donc, là, attendez, je bois un coup. Voilà. La gravité n'est donc pas une force qui attire les objets les uns vers les autres. La gravité, est due à la matière et elle déforme l'espace. Donc, par exemple, si la Lune tourne autour de la Terre, c'est parce que la Terre, par sa masse, crée une sorte de cuvette dans le tissu de l'espace-temps, comme un cratère, si on veut.
Et la Lune, qui veut avancer tout droit, parce que les objets avancent toujours tout droit dans l'univers, avance tout droit dans un espace courbe. Hein, il y a cette très très belle formule de John Wheeler, élève d'Einstein justement, qui disait la matière dit à l'espace comment se courber et l'espace dit à la matière comment avancer. Voilà, c'est vraiment une très belle manière de vulgariser l'équation de la relativité générale, qui est une égalité, qui est un jeu à somme nulle, où on a des termes à gauche et des termes à droite, et tout ça se compense. Et donc d'un côté, on a la matière, et de l'autre côté, on a l'espace qui est courbé. Donc, ce qui se passe avec un trou noir, c'est que à un moment donné, on a des étoiles. Alors, c'est ce qu'on a vu, par exemple, dans la vidéo de la supernova, de Thomas Vance. On a une étoile qui a au départ plus de 8 masses solaires, et qui, même plus, parce que je crois que 8 masses solaires, c'est pour les étoiles à neutrons, au départ, hein. Donc, on va avoir une étoile qui a peut-être plus de 14 masses solaires au départ, un truc comme ça. Et donc, quand elle s'effondre, le cœur résiduel bah justement dépasse la masse que peut supporter une étoile à neutrons, qui s'appelle pour les spécialistes les limites d'Oppenheimer-Volkoff. Et donc, quand une étoile à neutrons est trop massive, elle continue de s'effondrer. Donc, si on prend le schéma d'ensemble, on va dire, hein, une étoile comme le Soleil, quand elle s'effondre gravitationnellement, ça forme une naine blanche. Et la structure, la physique de la naine blanche empêche l'effondrement de se poursuivre. La pression de dégénérescence des électrons empêche l'effondrement de se poursuivre. Dans le cas d'une étoile de plus grande masse, cette pression est vaincue, la matière continue de s'effondrer, et donc on a les électrons qui tombent sur les protons, et donc ça crée des neutrons. Du coup, on a une étoile à neutrons, qui est la matière la plus dense de l'univers. On a voilà, au lieu d'avoir une cuillère à café qui fait 100 tonnes pour les naines blanches, on a une cuillère à café qui fait 1 milliard de tonnes, qui fait 10 000 porte-avions, c'est le cas des étoiles à neutrons. Mais on peut trouver pire, il peut y avoir encore trop de matière qui s'effondre, et là même le mécanisme qui empêche les neutrons de s'effondrer, la pression de dégénérescence des neutrons, lui-même est vaincu, ce mécanisme, et donc la matière continue de se comprimer. Et on a un effondrement gravitationnel continu, que plus rien ne peut t'arrêter. Et donc mathématiquement, tout ça va se concentrer en un point. Et la densité devient infinie. Et on a donc un trou noir. C'est-à-dire que, et là on le voit, c'est la zone qui est noire. On a une région dans l'espace où, pour s'en échapper, il faudrait atteindre et dépasser la vitesse de la lumière dans le vide. Ce qui n'est pas possible, 300 000 km par seconde étant la vitesse maximale autorisée par les lois de l'univers, et aussi la vitesse de la causalité. Rien, en tout cas rien de massif, rien qui possède une masse, ne peut atteindre déjà la vitesse de la lumière, et la lumière elle-même ne peut pas dépasser sa vitesse. Hein, je ne peux pas parler plus vite que moi, je ne peux pas marcher plus vite que moi, etc. La vitesse peut pas aller, la lumière peut pas aller plus vite qu'elle-même. Et donc rien ne s'échappe de cette ombre. On a là voilà le jet des trous noirs, hein, qui est de la matière qui est en fait. Alors c'est un phénomène assez complexe. Rien ne peut s'échapper d'un trou noir, mais vous êtes en train peut-être de vous dire, mais attends, on voit bien qu'il y a des sortes de cônes bleus là qui s'échappent du trou noir, et puis de la matière bleue qui tourne très très vite autour. Alors la matière qui tourne très très vite autour, d'ailleurs l'effet Doppler n'est pas hyper bien représenté. La matière qui tourne très très vite autour, celle-ci tombe dedans, en fait, hein, elle se rapproche, c'est un disque d'accrétion, elle tombe à l'intérieur. Les jets qu'on voit autour, par contre, c'est de la matière qui n'est jamais rentrée. C'est de la matière qui a été éjectée depuis le disque d'accrétion avant d'entrer dans le trou noir. Un peu, si vous voulez, comme on prend les vieilles toupies, vous savez, sur lesquelles on appuie. Et si on met des petites gouttes sur les bords, ou c'est un petit peu pareil aussi avec les essoreuses à salade, et ben, quand on fait tourner la toupie ou l'essoreuse à salade, il y a des gouttes qui sont projetées. Voilà, c'est un peu le même mécanisme. Et donc, il y a. Alors, on pourrait parler pendant des heures, hein, de la physique des trous noirs. Vous voyez la lumière blanche, là, c'est le cercle des photons. Là, il y a des photons qui sont perdus et qui font le tour à jamais de cette zone parce que ben voilà, ils peuvent pas aller plus vite que ça. Donc ils sont pile dans la zone où ils peuvent plus s'échapper. Et à l'intérieur, eh ben, c'est l'horizon des événements. C'est-à-dire que c'est là que ben, la physique s'efface. On ne peut plus expliquer ce qui se passe.
cette région interne au trou noir est déconnectée de l'univers, vu que rien ne peut s'en échapper, rien ne peut influencer l'univers de ce qui est dans le trou noir. Et c'est un peu comme voilà, une sorte de forêt maudite dans laquelle on pourrait rentrer, parce qu'on peut tout à fait entrer dans un trou noir. Je vais même m'amuser à le faire là. Ah mince, je suis allé un peu trop vite. Quoique, ah c'est pas mal, je suis encore dedans. Voilà, hop, on est à la frontière là et on voit tout qui devient bleu. Et ben en fait, c'est que à cause de la gravité du trou noir, tout nous fonce dessus. Donc là, c'est pas le redshift bien connu, c'est le blue shift. Tout est en train de nous tomber dessus. Parce qu'on est à la frontière de l'horizon des événements. Voilà, qui est là. Et là, c'est même pas le néant, quoi. C'est autre chose qui n'appartient pas à l'univers et dont on ne pourrait absolument pas s'extraire. Donc là, allez, on va dire qu'on est dans ISCO, la dernière orbite stable. On s'en échappe. Hein. En vrai, il faudrait une énergie incroyable, mais on s'en fiche. Et donc, Einstein nous dit que l'espace est tellement courbé autour de ce trou noir, voilà que bah, c'est un puits sans fond, en fait. Hein. Pour s'en extraire, il faudrait une énergie infinie, ce qui n'est pas possible. Et tous les rayons lumineux qui vont de derrière le trou noir jusqu'à notre œil sont déformés. Là, typiquement, on voit autour du trou noir un renflement à gauche et à droite. Ce renflement, en fait, c'est le derrière du trou noir qu'on voit au-dessus, parce que à cause des trajets des rayons lumineux, on voit les fesses du trou noir sur sa tête, quoi. Clairement, hein, on peut dire les choses comme ça. Et donc, ben voilà, tous les rayons lumineux sont déformés. Ceux qui passent par la zone où il y a le trou noir, c'est ce qu'on appelle une lentille gravitationnelle. Alors dans le cas de gros trous noirs, ça peut être très pratique. Ça peut permettre, là vous voyez, regardez, il y a le grand nuage de Magellan. Je le déforme complètement. Et les lentilles gravitationnelles peuvent permettre de voir des objets très amplifiés, beaucoup plus gros qu'ils ne sont. Tiens, là il y a la nébuleuse de la Carène qui arrive. C'est le truc rouge là, hop, voilà. Là j'ai fait une jolie lentille gravitationnelle de la nébuleuse de la Carène. Si je connais Alessandro Roussel, Science, oui, Science Click, oui. Il fait des simulations. Et ouais, bien sûr. Ouais, c'est très bon, Science Click, tout à fait. Je te remercie. Donc, d'ailleurs, tiens, voilà, j'ai aussi une vidéo qui est très intéressante pour expliquer les effets de l'antigravitationnel. Alors, malheureusement, je ne sais plus qui l'a faite. Mais c'est des physiciens. Hein. Je peux plus, voilà, je peux plus l'annoncer. Je leur... Ah oui, voilà, c'est là. Donc N0, ça veut dire que le photon, il fait pas un seul tour du trou noir. Ensuite, N, voilà, il y en a plusieurs. Donc il est juste dévié, légèrement dévié. Donc on peut déjà tracer une image hein, du disque d'accrétion autour du trou noir. N1, c'est des photons qui vont faire un tour complet autour du trou noir. Et là, on voit bien l'effet de masse déformée autour du trou noir. N2, les photons font deux tours autour du trou noir avant d'arriver dans le télescope ou l'œil. Voilà. Donc voilà, c'est ça l'effet de lentille gravitationnelle. Et à la fin, on reconstitue tout le disque d'accrétion d'un trou noir avec ces photons qui ont dévié et fait des tours et des tours. Et donc il y a un truc qui est quand même assez rigolo, c'est que cette étoile, ce trou noir, pardon, il est en orbite normalement autour d'une autre étoile. Elle est où? Ah, oh, je l'ai perdu. Ah bah alors ça. Bah dites donc. Voyons. Ah, j'avais bien, je suis pas fou. Et donc c'est l'image que j'avais faite. Je ne sais pas si vous vous êtes demandé ce que c'était que cette image. Regardez. Voilà, l'effet de lentille gravitationnelle qui déforme complètement l'étoile qui est derrière.
Sympa. Alors, bon, on est quasiment arrivé au bout. Alors, R136, est-ce qu'il y a un intérêt à le montrer? Non, on a vu assez de choses. On peut peut-être faire un truc sympa. Tiens, on termine là-dessus, comme ça on a fait voilà, les étoiles géantes, c'est très bien. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai oublié de vous montrer un truc qui est quand même assez sympa. Je vais maintenant, on va terminer par Antares, qui est un peu moins grosse que Betelgeuse, mais qui est vraiment comparable, qui fait aussi partie des étoiles candidates à explosion supernova. Et j'ai oublié de vous dire, alors c'était surtout, enfin, pas surtout, mais c'était aussi pour Simon Labrunier, mais qui est pas là apparemment, il le verra peut-être en replay, qui était surpris qu'on puisse prendre des images d'étoiles. Donc voilà, Bételgeuse en 96, Hubble va imager sa chromosphère, et ensuite le VLT plus proche de nous va imager la photosphère de Bételgeuse. Alors je suis assez surpris moi quand je vois cette image de l'avoir si peu déformée. Bon, ça tient peut-être à la résolution. C'est 10 microarcs/secondes, c'est pas grand-chose. Je sais pas, mais je m'attendais à voir quelque chose de beaucoup plus déformé quand même. En tout cas, on voit deux grandes cellules convectives qui sont apparemment plus chaudes qu'elles sont blanches. Quoique, je viens de me rappeler que c'est de l'infrarouge, donc je sais pas si le blanc est plus chaud ou plus froid. À voir. Donc oui, je disais Antarès, et on peut terminer sur la nébuleuse en fait, Antarès, qui est très très sympa. Alors peut-être je vous montre quand même où ça se trouve, hein, pour ceux qui veulent regarder à l'œil nu. On va d'abord aller à la Terre. Donc Antarès se trouve dans le Scorpion. Donc complètement à l'opposé d'Orion sur la voûte céleste. Donc s'il y a Orion qui est là, ben, il va falloir faire tout le tour. Voilà, le Scorpion est ici. Donc, ah oui, pardon, j'ai encore l'image. Alors oui, Antarès, elle a été imagée également, comme Bételgeuse. Alors j'ai pas mis l'image là, mais bon, honnêtement, elle se ressemble beaucoup. L'imagerie par le VLT ou je sais plus quel consortium en interférométrie a pu l'imager. Je crois que c'est le VLT aussi. Donc on a le Scorpion là qui est, voilà, qui est dans la Voie lactée et dans l'écliptique bien sûr, vu qu'elle fait partie des constellations du zodiaque. Et on a là cette étoile Antarès, absolument gigantesque. Donc elle est à 400 années-lumière environ, elle fait 12 masses solaires. Et regardez, il y a cette magnifique nébuleuse. Il y a plein de choses intéressantes avec Antarès. Il y a également un amas globulaire, alors qui est très dur à voir. J'essaie de le trouver d'ailleurs, tiens. Et ensuite, on terminera par Antarès. M4. Voilà, il est là. Donc il est très dur à trouver au télescope parce qu'il est collé à Antarès en fait. C'est vraiment très très dur. Cet amas globulaire Messier 4, voilà, qui est très connu, mais voilà que les astronomes amateurs, en tout cas comme moi, très amateurs, ont beaucoup de mal à voir. Je l'ai cherché des dizaines de fois et j'ai jamais réussi à l'avoir. Donc on retourne sur la nébuleuse Antarès. Voilà. Et donc cette étoile, elle va peut-être exploser bientôt. Qui sait? Elle a une compagne, je crois que c'est une étoile bleue. Et voici Antarès qui fait voilà une dizaine de masses solaires. Très très déformée, très lente à tourner sur elle-même aussi.
Voici. Alors, il me semble que j'avais voulu terminer sur un truc. J'avais pensé à autre chose pour la fin, mais je crois que je l'ai pas noté. Ah, si, oui, si, si, allez. Allez, je dis toujours un dernier truc, mais en fait, c'est assez simple, voilà. C'est une géante rouge dans le grand nuage de Magellan. Et c'est quand même assez joli comme image pour terminer. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc c'est le même genre. Hein. Oui, il se fait tard, ouais. Faut qu'on arrête, je suis d'accord. On arrête là, en fait. Voilà, on est dans le grand nuage de Magellan, dans la nébuleuse de la Tarentule. Et je trouvais ça assez sympa de terminer là-dessus. Donc on a une géante là qui fait voilà, 10 masses solaires. Merci Space Lorenzo. Merci d'être passé. Bonne soirée. Et voilà, on va aussi terminer là-dessus. Il y a une planète là qui est en train de mourir. Et face à elle, cette étoile absolument gigantesque. Voilà. Et donc c'est là-dessus qu'on va se quitter face à cette étoile, bon qu'on connaît pas précisément, hein. On est beaucoup trop loin là, dans le grand nuage de Magellan. Il y a quelques étoiles qu'on peut isoler, mais celle-ci, elle est procédurale. Mais voilà, il existe des étoiles comme ça dans la galaxie la Voie lactée, donc il en existe forcément aussi dans le grand nuage de Magellan. Et donc, voilà, ce qui est sympa, c'est que on a la nébuleuse de la Tarentule. Ça fait une belle image pour terminer. Voilà. Bah, j'espère que ce petit live vous a plu. Voilà, donc je répète que ceux qui voudraient le revoir, je le mettrai sûrement demain sur YouTube. Je vais mettre le lien ici. Tac. Voilà. Donc ouais, il sera sûrement demain. Dès que j'ai le temps, je le mets en lien. Je le mets, pardon, je le mets sur YouTube. Merci Laurent Rex. Merci Jean-Baptiste. Merci Blandine, merci à tous ceux qui sont passés. Et puis bah voilà, bientôt la semaine prochaine, avant de faire une petite pause très sûrement, comme je vous disais. Ah tiens mince, j'ai oublié de changer le titre en 2 sur 2. C'est pas très grave. Bonne soirée à tous. Bye bye.